Hello, 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 annyeong, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction à Monsta X avec Fantasia, je sais pas comment on dit, Fantasia, bref, en français, mal prononcé, c'est Fantasia. Bienvenue sur cette chaîne, si tu me connais pas, je fais des vidéos réactions où je parle pendant toute la durée du MV, je fais pas de pause parce que pour moi, le MV, il a été pensé comme un film, donc on fait pas de pause pendant un film parce que sinon... ça te casse ton truc, ton délire. Il est aussi possible que je parle pendant les 3 minutes que dure le clip, parce que si j'ai des choses à dire, bah je l'ai dit, et je l'ai dit au moment où ça arrive. Et je veux aussi peut-être rater des choses, des éléments, etc. C'est normal, je suis pas un cyborg, je peux pas tout voir, je peux pas tout analyser. Et dernier petit disclaimer, si t'es hyper fan de Monsta X et que tu détestes qu'on critique le groupe, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu, je t'invite à quitter cette vidéo. Je sais pas d'avance si je vais aimer ou pas la vidéo, mais ici sur cette chaîne, ce que j'aime faire, c'est quand il y a un truc que j'aime bien, bah je le dis, et quand il y a un truc que j'aime pas, bah je le dis aussi, parce que j'aime bien avoir des avis un peu nuancés et dire ah tiens, ça j'aurais pas fait comme ça, etc. A chaque fois, mes critiques, elles sont jamais méchantes, mais je sais qu'il y a des gens que ça blesse, qui aiment pas ça et que ça vexe aussi, je peux le comprendre, mais du coup te fais pas de mal et quitte cette vidéo tout de suite parce que ça sert à rien de te faire du mal et d'entendre quelqu'un dire ah là là ça c'est pas beau et que ça t'énerve, ça sert à rien, genre t'as autre chose à faire de ta vie que de t'énerver. Donc pour ceux qui sont toujours là et qui aiment bien mes vidéos, qui sont abonnés, blablabla, let's do it, on va voir ce que c'est. Bon d'ailleurs je précise, comme d'habitude je suis au courant de rien, j'ai pas vu le clip, j'ai pas vu le teaser, je sais pas s'il y a encore un membre en moins, s'ils en ont rajouté 3, etc, etc, I don't know anything. Donc, let's do it. 3, 2, 1, piou! J'aime bien le fait qu'ils aient réduit les bandes. Hein. Ouh. Putain, le son, il est hard, ça. J'aime pas cette tenue du tout. Autant celle en groupe, là, elle est grave, grave, grave belle, avec les dorures et tout. Mais là, l'espèce de cobaye à frange... No. Cette scène-là est grave belle. J'aime beaucoup. J'aime bien les effets particules qu'ils ont rajoutés. Ouh, bobbidi bop. Ça fait bouger mes fesses, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Leur tenue là, elle est grave, grave, grave belle. Hein. Les vestes là, elles sont grave, grave belles. Hein. Bon, par contre, est-ce qu'il y a d'autres scènes de chorégraphie à part celle-là? Parce qu'elle est très très belle hein, cette scène de choré, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Waouh, y a boire et à manger hein, dans cette chanson. J'adore la scène avec tous les danseurs moitié à poil là. C'est stylé. Ça fait genre un peu de danse contemporaine et je trouve la danse contemporaine dans un MV ça rend toujours super bien. Il y a beaucoup d'effets lumineux, de reflets, etc. dans ce MV, ce qui est pas trop mal. J'aime bien cette idée avec les mains là. Genre le mur de lamentation. Il y a vraiment une couleur bronze or qui est vraiment mise en avant dans ce MV, genre c'est vraiment la teinte principale qu'on voit. Et même dans les lumières, on dirait qu'ils ont rajouté un filtre genre doré. Par contre les scènes elles sont hyper coupées, hein, genre ça va super vite et tout, t'as du mal à digérer ce que tu vois. La chanson est cool, hein, j'aime bien. Ça fait partie des chansons de Monsta X que j'aime assez bien. Alors ça me dérangerait pas de la réécouter. Mais y a pas énormément de scènes quand même. Enfin, je veux dire, ils sont beaucoup dans cette espèce d'espace là, genre rococo là, qui est hyper chargé, etc., avec des dorures partout. Ok. Avant de parler plus en profondeur de Fantasia, de Monsta X, sache que tu peux soutenir la chaîne via Utip, c'est une manière pour toi de soutenir la chaîne financièrement, de deux façons. La première, tu donnes 1€, 2€, 3€, donc tu fais un don. Et l'autre manière, c'est gratuit, c'est commenter par exemple, c'est partager, mais aussi
tu peux regarder une petite vidéo de ton plein gré. À chaque fois que tu regardes une petite vidéo, bah, ça me reverse quelques centimes. Donc si tu veux faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo. Merci d'avance à ceux et celles qui le feront. Bon, sache que tu peux voter pour Monsta X dans le K-Chart. C'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est la meilleure vidéo de cette chaîne, clique juste ici. Fantasia de Monsta X. Bon, on va parler de la chanson tout de suite. Bah, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé le son un petit peu martial. Il y avait beaucoup, genre, un espèce de gros beat de fond que j'ai bien aimé. Ça, je trouvais que c'était cool. Le clip maintenant, j'ai adoré les effets lumineux. J'ai trouvé que c'était beau. Quand il y avait des idées de mise en scène ou des idées créatives comme les mains, comme les danseurs et tout, ça, c'était grave stylé. Mais le reste, je dois avouer que ça m'a pas non plus. J'ai pas trouvé ça ouf. Voilà. Genre, les scènes de danse là, dans l'espèce d'espace rococo là, qui était hyper chargé avec les dorures, etc., c'est une super belle scène. Mais malheureusement, on voit quasiment que ça dans le MV. Donc, c'est un peu dommage de pas avoir plus de scènes que ça. Il y avait des scènes solo qui étaient sympas, mais le problème c'est qu'elles passent hyper vite, elles sont hyper hachées, etc. Et j'aurais bien aimé qu'on les voit un peu plus longtemps. Il y en a une qui était sympa où il y avait une espèce de reflet de flotte sur le membre, et j'ai trouvé que c'était très beau. Mais derrière lui, il y avait des espèces de rideaux blanc, et j'ai trouvé que ça c'était pas très beau par contre. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours des bonnes idées, mais il y a un petit truc à chaque fois où moi j'aurais fait ça autrement. Genre, j'aurais mis un mur uni si vraiment ils voulaient rien mettre, etc. Comme ça on aurait eu des reflets de flotte sur le mur uni, et parce que les rideaux du coup ça les reflète pas vraiment. Donc voilà, je dis pas que c'est vraiment le truc à faire ou la meilleure idée, c'est juste que j'aurais fait autrement. Donc du coup, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées et qu'il y a vraiment des bons trucs en place, mais je trouve que vraiment ça va pas assez loin, vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient des idées, mais qu'ils ont fait ça en rush parce que pour une raison X ou Y, il fallait qu'ils sortent le titre rapidement, quoi. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Puis après, il y avait une autre scène aussi où ils dansaient tous ensemble, où ils étaient dans une espèce d'armature, dans un fond bronze. Et puis il y avait une espèce d'eau en face d'eux qui était, bon, c'était de l'eau, mais ils avaient mis un filtre dessus pour faire genre que c'est de l'or ou un truc comme ça. J'adhère pas trop à cette scène. Je trouve pas ça spécialement esthétique. Je vois l'idée qu'ils ont voulu faire. J'aurais fait autrement, voilà, tout simplement. La chanson, c'est un bop, franchement, j'ai bien aimé, etc. Niveau du clip, je pense qu'ils auraient pu mieux faire, voilà. Genre, les idées sont pas mauvaises, mais elles auraient mérité d'être poussées plus loin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, vous me dites comme d'habitude, si vous êtes pas d'accord, c'est normal. Tous les avis sont valables. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et moi, tu peux me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, ben hello, bienvenue sur cette chaîne. C'est cool, merci. Bah c'est tout pour cette petite vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.